What's up, Waddle? What's up? I'm here. What? What's up, bro? What, brother? I'm here, bro. I'm over there. All right, bro. See you in 5. You got it, bro. All right. Okay. Orale. Okay. Yo, bro. Je fais pipi. Reste tranquille. Sous le soleil californien slash mexicain et surtout la fumée mexicaine, la merguez, frère. C'est pas grave, on se fait plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. Merci à tous les Tahitiens de la planète. Merci à tous les Belges, à tous les Suisses, à tous les Québécois et surtout les Français sur qui je fais de l'argent. Voilà, sur votre dos, sur tous les franchouillards. À 85% ou 80% de franchouillards sur ma chaîne. Et ça fait plaisir, les gars. Sur votre dos, tous les jours, je fais des vidéos et surtout de l'argent. Voilà, l'oncle capitaliste américain. Donc l'argent, la YouTube money. Tchitching, sur ton dos, ça fait plaisir. L'argent, le dollar américain, l'argent vert, green money. On est là, Robert. Tu te rappelles, Robert, sur ma chaîne, Robert les commentaires, qui passait, qui me disait « Ouais, sale capitaliste américain, oncle Picsou, tu ne penses qu'à l'argent, Robert. » C'est vrai, les Américains, surtout les Franciliens, les Français, ne pensent qu'à l'argent, les Européens. Et même les Australiens, et même les Indiens, et même les Marocains. On adore le dollar, frère, le cash. C'est sale l'argent, hein. Pour Robert, c'est très sale là-bas, à Marlacoquette. Tu sais pourquoi? Parce que Robert, il fait de l'argent. Mais c'est que lui. Les autres, quand ils font de l'argent, ils n'ont pas le droit, tu vois, ils jalousent. Ouais, tu fais de l'argent sur mon dos. C'est sale, espèce de capitaliste. Anyway, en parlant de capitaliste. Tu passes à côté de la vie, Robert, hein, parce que l'argent, ça sent bon. Waouh! Ah ouais, c'est la liberté financière. Alors, Bling Bling m'a dit, tu me dois 15 dollars. Merde, merde! J'étais pas prêt cette fois-ci. J'ai chié dans mon ben. Il m'appelle et tout aujourd'hui, tu vois. 2 jours plus tard, on est là. Ou le lendemain, je sais plus. Je reviens du futur, ma concurrence n'est pas née. Donc il m'a dit aujourd'hui, il m'appelle. Ouais, frérot, tu me dois 15 dollars, s'il te plaît, est-ce que tu peux les ramener, etc., etc. Je dis, why? Bon, on va voir. Donc je lui fais 25 dollars d'acompte, il achète la casquette, il me la ramène, plus 25 égale 50 dollars. 5 dollars de profit puisqu'il a payé 45. Très bien. Moi, tu vois, je suis prêt à arroser, tu vois. Mais bon, je lui avais dit 50, il m'a dit ok. Aujourd'hui, il a changé d'avis. Pas grave, je lui en veux pas, c'est mon frérot, mon ref. Mon poteau, ça va gros? Ouais, c'est la famille gros. Ma gueule. Donc il me dit, ouais, faut que tu comprennes que, bah voilà, 5 dollars de profit, frérot, je suis un capitaliste américain. Ouais, ouais, ça c'est pour Robert la blague. Donc l'oncle Picsou, j'ai fait 2 allers-retours en bus, et c'est vrai que j'ai calculé mon temps consommé, le temps c'est de l'argent, dépensé, tac, tac. Sauf que frérot, c'est toi qui t'es planté la première fois. Mais c'est gentil déjà. Fallait appeler, tu vois, le magasin. Allô, allô, t'as des casquettes? Non, on est fermé aujourd'hui. Tac, toi tu t'es pointé. T'as perdu une journée pour rien, un aller-retour, c'est pas de ma faute, c'est pas grave. 1 dollar le bus, hein, et encore, il a grugé, bon, très bien. Mais moi, tu t'inquiètes, je suis honnête. Donc il me dit, voilà, j'ai recalculé, donc 45 dollars la casquette, plus 2 allers-retours en bus à cause de mes conneries. C'est pas de ma faute, mais c'est pas grave, c'est quand même de ma faute. Donc 20 dollars de profit. Donc il veut 65 dollars. Ok, c'est normal. C'est un capitaliste américain, il a raison. Ok, il fait du hustle. Donc je vais descendre aujourd'hui, lui donner 15 dollars en plus des 5 dollars. Pour un total de 20 dollars. Quand j'en aurai plus, 2 euros. Parce que je le vaux bien et ça vaut le coup. Tu vois, c'est sympa. Déjà, bling bling, tu vois. Il m'a pas arnaqué, il est parti. Bon, il a galéré 2 jours, tu vois. Mais on est là, tu vois. La casquette pour Daddy à combien? Bah 65 dollars. Parce que je le vaux bien. Il y en a qui bossent, monsieur? Pas du tout, on s'en bat les couilles. Ça glandouille. Tout branlé, la girafe, la saucisse. If you can't beat him, join him. Yeah. That's right. On rejoint la saucisse. Custom. Custom? Yeah. Let me see this shit. Customisé, putain, le steak customisé, putain, la barbaque. Ah ouais, 10 inches? God damn it. About. Yeah? About. It's about 20 cm, frérot. Yeah. That's basic, right? Standard like size. 20, 10 and above, right? Yeah. Standard size, voilà. Donc c'est parti, c'est la base, bien sûr, 20 cm. Ça glandouille, ça barbecue toute la journée, on se fait plaisir. Il y en a qui bossent, monsieur. Pas du tout, on y croit, on est là, on fait du fake. Ça bosse très dur. Ça répare les voitures des clients. Yeah, long time ago. Like about a year ago. Remember? They got, you should put the handlebar like this. Like chopper? Yeah. Fuck no. They have them like that too now. That shit is sketchy already, boss.
Oh, that's sketchy, yeah. Ah, for sure. Compression ratio, you know that shit, right? C'est la glandouille, c'est la popo, la police. C'est putain l'hélicoptère. Attends, Delta 00 Fion, double douce. The cops, they coming for you. What, they coming for you? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. What you gonna do? Jose, Jose, putain la double douce. Il m'a fait peur. You freaked me out, dude. You got me. What's up, man? All good? Voilà, Jose. Delta 00 Fion, to protect and to serve. Pour protéger et servir la communauté. C'est la popo, la police de Los Angeles. Le vrai flic. Tu vois, il parle États-Unis et tout. L'Américain États-Unis. Tu vois, c'est le Mexique, frère. Donc c'est parti, les gars. 911, devant la police, tu vas, putain. Sans papier, sans plaque, sans permis, sans les gants. Si, j'ai les gants, regarde. Que dit Macron? Que fait la police de Los Angeles? Je sais pas, moi. Municipal de Paris, municipal. Voilà, la popo, la police. On y va, José. José, il s'en fout, le policier, tu vois. Devant la police, regarde. Je vais narguer la police. Je nargue la police. Ah, Bissey. Il s'en bat les couilles. Ok, il s'en fout, la police. 100% illégal, on s'en bat les couilles. La main à la coquette, c'est parti, les gars. Wouh ! Putain ! L'automose pro, hein ! L'automose pro, hein ! Tu moulines, ça patine. Tu broutes, mais que fait la police ? Mets la boîte à café, bordel ! Wouhou ! Wouhou ! Yaha ! 100% illégal ! C'est la finale ! Bon, là, c'est clair, faut l'attacher, les gars, parce que c'est le petit mini-bike, tu vois, facile à chourer. Il suffit qu'il y ait un homeless ou même un gamin qui passe par là, tu vois. C'est assez cool, un petit joujou. Gratos cousin, tu vois. Et encore que. Je suis pas certain, mais bon. Le Grand Paris, le Tout Paris, le Sef Gecko, le rappeur international qui chante en anglais et qui a plié le game. Drake en PLS. Alors, ce qui est intéressant, les gars, c'est que la serveuse là-bas, l'arménienne, tu vois, tu veux la marier. Tu m'as dit, je vais la marier, je vais la rapatrier à Paris parce que je peux plus draguer les femmes là-bas. Donc, elle m'a dit, bah, en fait, il y a un mec qui passe ici, tu vois, qui est vraiment curieux. C'est-à-dire que toi, quand tu rentres, tu arrives ici, le plat, il est prêt, tu vois. Je te fais ça avec amour. T'es même pas carré avec la mobilette, on se la pète, que déjà, ton bol, il est prêt. Et le mec, il vient à peu près deux fois par semaine, il te jalouse. Il dit, mais il est où ce mec-là? Il est pas là aujourd'hui. Pourquoi lui, quand il rentre, tout est prêt, tu vois? Alors que moi, je dois faire la file d'attente. Pourquoi lui, il a traitement de faveur, tu vois? VIP. Elle a dit, parce que je sais pas, il vient tous les jours, tu vois, je lui fais son petit plat avec amour. C'est le top 3 de mes clients préférés. Top 3, top 3, c'est lui, Daddy en Californie, tu vois. Donc voilà, je le traite avec amour et puis c'est tout. Et le mec, il rage, il me jalouse, il me connaît même pas, il m'observe comme un espion, comme Robert le rageux dans les commentaires. Il m'observe deux fois par semaine. Tu vois, il a pris note, il a pris des notes. Pourquoi c'est tant coulé de tarés français, il passe devant tout le monde et tout, il est même pas garé, c'est déjà prêt, frère. Why, tu vois? Faf la rage, Robert le rageux. Terrible, hein? Yeah, yeah, I told the homie. I don't know. The homie now, he wants one. Who? Which one? Mechanic. Really? Yeah. I didn't know that. He told me that he told him. Louis? You want a casquette, maintenant? Yeah. Louis, right, Louis? I run into him. You want one for real? Let me see this shit. God damn, he wants it, huh? Just like that. Yeah, I told you, everybody wants the rooster. Let's make some money. The rooster, I'm telling you. Let's make some money. I'm down. On fait du business, frérot. 65 euros, quand j'en aurai plus, 10 euros, 2 euros. 15 bucks. Alright, thank you, brother. You want to sell what? You want to sell 100 bucks? 100 boules, on les vend 100 boules, frérot. No, I told him to let me know when he wants the hat. Okay. And I'll go down and get it for him. Yeah, get it. Okay. Yeah, so we cool? We good? Yeah, cool. We cool? Yeah, 65, yeah, we good? Yeah, we're cool. $20 de profit, on est bien? Yeah, because 20 like, bucks? I had to put the rest for the hat. I just remember, like, what the fuck? Yeah, like, yeah. Why I came out short? Yeah. It's all good. You know, it's your time, cabron. Time is money. You know what I'm saying? Time is fucking money. Making money every day. On va faire de l'argent, nous. Yo, you got some money? Flash the cash, bro. Look. I got some cash, too. Look. Not like you. I'm not a baller, but check it out. Check it out, bro. Nice. I'm balling. You know what I'm saying? Ah, you're gonna snatch it, huh? I used to do the flossing, not no more, bro. Yeah, I got you. All right, let's get out of here. Like this. Yeah, like that. Des liasses de billets, frérot. I used to make stacks. Stacks, les liasses de billets. More than 5,000, more than 10 grand. Putain, il avait 10 000 boules dans les mains à l'époque. Fuck yeah, man, you're a baller. Yeah. Donc maintenant, c'est $20 maintenant. C'est 100 balles dans les mains. Avant, c'était 10 000 boules, tu vois. La liasse et tout, le stack. Yeah. Cash money, baby. Money rules. New toy, sort of. Whatever. Where's the gas? Oh, yeah? Yeah, that's the gas. That's the throttle. Fucking sketchy though, super dangerous. Sorry, man. Is it safe to drive or not? No, not at all. No way.
No way, Jose. But fuck it. I like no it, man. No fucking brakes on. None. Oh, right here. Check it out. One brake. Right here, right here. It's like a lever. You hit it. Bang, bang. That's the only brake? That's it, bro. That's what I'm saying. What the fuck? For the badasses, you know? Right. You gotta be a badass. Pour rouler avec ça, c'est badass, frère. Faut être un badass. What's up, comme Villebrequin, what's up? Villebrequin, Villebrequin, le badass qui fait le warrior, Villebrequin. Nique ta mère en puissance. Here, man. What the fuck? I got it, but I don't want to ruin it yet. You know, I'm gonna kind of enjoy it. Look at it, don't get fucked up, you see? I'm gonna save it for the weekend. Yeah, I got you. No, I'll bring it. But I gotta get a little clean. Yeah, yeah, clean it up, yeah. For sure, for sure. Yeah, let me see this shit. C'est le protecteur. C'est lui, Saint-Christophe ou je sais pas quoi. Il te protège yeah. De tous les rageux. It brings me money, dog. Et ça ramène de l'argent aussi. It gets me to a good point, dog. Yeah, yeah, yeah. Fuck the haters, right? Oh, yeah, that's what I, that's Robert what le rageux, je le déteste, moi aussi, il m'énerve, il me fatigue. No, donc il faut la protection, ouais. La protection. Robert le rageux, il nous fatigue. What do you want, boss? I'll get you a mocha cappuccino, bro. Oh, cappuccino? Thank you. Por favor. El frio, voilà, avec les glaçons et tout, le cappuccino, bien glacé, bien frappé. La chantilly tout, whipped cream, everything. Il veut la chantilly tout, le sucre et tout. Vraiment nice. I'm telling you, I feel like that lady is des familles. Keep the cheapest brand of clothes. Mm-hmm. I got you. Elle fait du profit. So I know everything. Du dégriffé, elle fait du dégriffé. You know when you buy those shirts from the boss and shit? Yeah, I know. The original. Tu veux l'original, toi? T'es prêt à payer le prix? Bah, c'est comme moi, la vraie marque, l'original. C'est la finale. Wow, that's beautiful. Look at this shit, man. I can't fuck with that shit. Too much sugar, bro. How much? $7.28. $48, okay. Gotcha. Moi, je peux pas faire ça, moi, le sucre et tout. Là, c'est trop, là. C'est la syncope directe, frère. Yeah. La prochaine fois, on fait du business. $100 la casquette. Sur le dos des franciliens. Voilà, des français. Tu t'inquiètes. You got it, man. Be safe, all right? Fais attention, frérot. Fais attention. Voilà. Le profit sur ton dos. Thank you. Voilà. Okay, thank you. Thank you. Have a good one. All right, good to see you. Voilà. Le beau sourire, la Jenny. On lui parle, tu vois, on n'a pas peur. Passe un buen día. Bye. Bye, la Jenny. J'aperçois un petit tuning, la vérité. Où j'y vais bien caché comme un ninja, comme un espion. Il va prendre la place, je le sens lui, c'est un boss. Vas-y, vas-y, non, vas-y. Je te sens chaud patate. Voilà, de rien, c'est la famille, c'est Kia. Là, il y a du beau, les gars. Je le savais, putain, la passion auto-japonaise. Waouh. T'as des plans en futur, non? Un petit décathlon. Stage 2, stage 3, un petit cover, peut-être. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, mon loulou, s'il te plaît? Fuck off. Va te faire enculer, dégage, ok. Eh bien écoute, tu reviens dans 3 mois, on fera la présentation des panneaux de porte en long, en large et en travers, en Arizona. Ça sera avec le plus grand plaisir. C'est donnant sur ma chaîne. Bon retour dans le sud de la France, 800 km. Passe le bonjour à ta mère. Il y a du Whopper, il y a du gros burger. Le million de dollars, le concours à 1 million de dollars. Achetez du Whopper, vous allez être millionnaire. À propos de gros zizi, c'est pour toi leçon d'histoire, le Silverado. T'adores les gros trucks ici en Californie. Oh le gros zizi. Oh le gros zizi. Oh le gros zizi. Il y a une belle Jenny, chaussettes, claquettes, les Crocs. Mais je vais pas lui parler. Trop peur d'aller en prison. Que nini, que nini. Pourquoi tu traverses, Daddy? Parce qu'il me faut le money shot. Là, je me sacrifie pour la passion auto, la communauté supra, sous le soleil californien. Pour ton plaisir, la passion auto. Apparemment, le mec qui va traverser, il est connu dans le quartier. Il se balade des fois avec son tutu, la jupe, oui, Robert en jupe, et la queue du raton laveur, voilà. Voilà, on est là, les lunettes, tu vois. Apparemment, il est connu. Yo, what's up? 84 ans, on est là, c'est la vérité. Todo bien? Todo bien. 84 ans, la police ici, bien sûr. Caché, camouflé, on appelle ça en France, je sais plus, déguisé. Voilà, undercover. Banalisé, voilà, c'est ça. La croune. But wait, there's more. Le vrai policier, bon, c'est moins banalisé, la lécution, mais on est là quand même. Dodge Charger, banalisé sur les Champs-Élysées. La croune. I'm out of here. Bon, voilà les gars, je crois qu'on a tout donné. Le soleil californien en plein hiver, les Dodgers, this LA. Is what AutoZone. Wow, recycling, putain. On recycle et tout. How much for that? I have a lot more in the house. Yeah? You want to sell it right now? No, I'm not going to sell it. J'achète, frérot, quand j'en aurai plus. Non? Nah, I'm just kidding, I'm just fucking with you. Nah, I don't sell it right now. Nah, I got you. Like at least 7-8 bags. Cool. 7, il en a 7 comme ça, des sacs. Yeah. Ou 8, 7 ou 8 quand j'en aurai plus de 2 euros. I stay making money. Keep on grinding, man. Making that money. Making that dough, bro. You already know. Yeah, hustling every day, bro. All right.
Catch you later, all right? You be safe, all right? Marseille. Je vous dis à bientôt, et surtout sous le soleil californien, n'oubliez pas, gardez toujours malheur avec un grec. Voilà grosse, elle est énorme comme les Blue Balls. 3, 2, 1. Patate! Attention le poncho. Et vive le capitalisme américain. Ou mexicain, ou francilien d'ailleurs. Ouais.